Salut tout le monde, c'est Deo, c'est parti pour Cinderella Escape, partie 5. On va voir si ça se complique, c'est parti, on parle pas plus de temps, let's go. Mon intro était vraiment bizarre. Cinderella Escape, let's go, continue, hop. Donc évidemment, toujours, ah, le clavier américain, voilà. Toujours dans notre cellule, je voulais dire. Voilà, on est un peu en mode coincé dans notre cellule. Là, on vient nous apporter les repas, les trucs comme ça, tout ça. On va à la douche et machin. Et dès qu'ils ont le dos tourné, hop, on a notre petit trou. Et on essaye de se frayer un chemin direction de la sortie, quoi. Une évadée en solitaire. Allez, c'est parti, on en était où, du coup? On avait fait tout ça et tout ça. Pas mal, on avait pas mal avancé. Du coup, let's go. Stage 3, 7. Yes. Alors, normalement, ça va commencer à se compliquer à partir de maintenant. Ok, donc la porte est là. Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est monter là-dessus. Pour pouvoir monter là-dessus, puis là-dessus. Alors, merde, j'ai gâché un saut, c'est pas grave. On peut pousser ça. Oui, nickel, on peut pousser ça. Super. Donc, normalement, on devrait être en mesure de monter là. Puis de monter là. Puis de monter ici. Puis ici. Ah oui, et là, c'est trop loin. C'est pas grave. C'est pas grave. On va pousser ça. On va le rapprocher du trou. Là, ça devrait faire l'affaire. Du coup, ça. Merde, on va le mettre là-bas. Voilà, comme ça. Et du coup, il nous faut ce petit bloc qu'on va gentiment rapprocher ici. Voilà, et normalement là, ça devrait le faire. Oui, nickel. Maintenant, étape 1 terminée. L'étape 2, c'est ce saut. Ce saut ultra dangereux, mais je sais qu'il est possible. Oui, yes, et c'est bon. Premier niveau, réussi en un temps record. C'est parti, next stage. Alors, cette fois-ci, la porte est là-bas. Ça veut dire. Attends, j'ai du mal à piger. On va s'y rendre, tout simplement. What? Mais il y a encore tout un chemin inutile là-bas derrière. Il nous incite à monter là-dessus pour se laisser tomber. Mais attends. Je sens que c'est le genre de niveau où on peut tricher. Ouais, je le sens bien, là. Je la sens bien, la triche. C'est parti. On va y aller directement. Ah, on peut pas passer par là. Merde. On passe de l'autre côté, et celui-là, on va le pousser. Je suis même pas sûr que ça soit utile, finalement, celui-là. Donc, on va commencer par le plus petit, le nécessaire. Hop, toi, tu vas là, voilà. Normalement, ça devrait passer, voilà, nickel. On pousse. Super. Maintenant, il nous faut celui-là. On le pousse ici, puis on le pousse ici, puis on le pousse ici. Et là, normalement, ça devrait passer. Ah, ça passe pas un peu... Ah, merde, j'ai trop poussé. Bon, c'est pas grave, on va passer de l'autre côté. Petit détour, et c'est parti, on pousse. Voilà, maintenant, on va le rapprocher. Voilà. Là, je pense que tout le monde a compris. Je pense que tout le monde avait compris depuis le début, même. On a fait notre petit escalier et c'est parti. Hop, 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 et bim! Voilà! Du travail de professionnel. On est vraiment des pros. Next stage. Alors, la porte est là. Ouh, il a l'air compliqué celui-là. Il a l'air compliqué, quoique. Quoique, des fois ça a l'air compliqué, mais en fait c'est tout simple. Et des fois c'est l'inverse. C'est même souvent l'inverse, mais en ce moment, c'est plutôt l'inverse de l'inverse que l'inverse. Pff, laisse tomber. Même moi, j'ai pas compris ce que j'ai dit. Ok, alors, là, on a un trou. D'accord. Là-dessous, on a rien. Ce qu'il faudrait faire, c'est faire tomber un cube là-dedans. Le souci, c'est que c'est pas trop possible. Quoique, si, c'est peut-être possible. Attends. Oui, ça m'a l'air possible. Là, si on le pousse ici comme ça, c'est bon, là, non? On se jette avec, on saute là, et boum! Et voilà, putain, on a touché qu'à un cube! Un seul cube! Oh là là, le mind! D'accord, next stage. Oh, encore une sœur! Merci, elle s'appelle. Elle s'appelle Pitié. You're too late, Cinderella! Ah oui, je dois te redire, c'est vrai. Tu es en retard, Cendrillon! Hé, dépêche-toi et sauve-moi! Si tu ne me sauves pas, tu auras une punition sévère quand je sortirai d'ici! Tu me menaces? Ouh, Cendrillon... Souviens-toi, je suis ta marraine, la fée. Tu peux simplement sortir de ce niveau sans la sauver. Elles t'ont si maltraité. Je sais, mais je suis fée de pardon. Je vais de l'avant. Je suis comme ça, Fairy Godmother. Si tu la sauves, tu seras torturée à sa place. La sauver ou ne pas la sauver, telle est la question. Prends ta propre décision. Eh bien, j'y réfléchirai. C'est tout réfléchi, ma fille. On va la sauver. Ok, elle est là-bas. La porte, elle est où? La porte est là. Alors, la porte, ça a l'air tout simple. Il suffit de faire un petit escalier. Par contre, la sœur, elle est à un niveau qu'on n'a encore jamais atteint de manière escalatoresque dans Cinderella Escape. Là, je crois pas qu'on puisse tricher. Va falloir monter ici, poser un cube là, ou alors sauter directement. Ah oui, sauter directement, ça a l'air possible. Vous allez voir. Let's do this. Ici, on peut monter. Donc, on va se servir de ce cube-là. Ah, merde. Ah, mais il y a trop de trucs qui me gênent, là. Dégage. Voilà, merci. Ah, mais... Oh, mais du coup, c'est... Oh... Ah, je sais pas si ça va passer, là. Vas-y, pousse-toi. Ah, mais ça... Bon, allez, on recommence. Retry. Yes. Ok, alors, on va être méthodique. Pour atteindre cette porte, vu la hauteur du truc, il va nous falloir une colonne de 3, une colonne de 2 et une colonne de 1. Alors, la colonne de 3, on l'a là. La colonne de 1, on peut la faire en pétant ce truc. Peut-être qu'on va déjà faire cet escalier, pour être sûr. Après, je sais pas s'il y a assez de blocs pour tout faire en même temps. Là, c'est chaud. Ça y est, ça redevient difficile. Donc là, c'est quoi? Ah, là, c'est une colonne de 3 qui peut devenir une colonne de 2. Et là, c'est une vraie colonne de 2. D'accord. Bon.
Je vais pousser ça ici. Je vais me faufiler là. Et je vais pouvoir pousser ça comme ça. Voilà, nickel, nickel. Ok, là, je pense que j'ai le truc. On va pousser ça ici. On va le mettre contre le rebord. Ah, il y a ça qui me gêne. Voilà, on le met ici. On reprend notre colonne de 2. Hop, on la met ici. Là, va falloir faire très attention. Il nous faut un bloc de 1. Ah ouais, mais merde. Merde. S'il est collé contre le mur, je ne pourrais pas le bouger. Chiiiit. Et c'est chaud. Je suis tombé sur The Niveau. Comment on pourrait faire? Oh, j'ai compris. J'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. D'accord. Quoique non. Non, j'ai pas compris. Parce que je peux quand même pas. Non, c'est vraiment ça. Oh là là, va falloir se faire un pont. Va falloir se faire un pont pour accéder à la porte. Mais ne pas prendre la porte. Faire un saut de l'ange de l'autre côté. Ou alors se faire un autre pont. Oh là, ça va être chaud. Ça va être chaud, vous allez voir. Je pense que j'ai compris. Mais c'est méga dur. Et d'un seul coup, là, la difficulté augmente. Donc là, on pète ça. Ok, d'accord. Ouf, vous avez vu ce skill? Je l'ai poussé en avançant et du coup, ça me permet d'atteindre ce truc. Et du coup, là, il m'en manque un. C'était juste pour vérifier en plus pourquoi j'ai fait la connerie d'y aller vraiment. C'est pas grave, j'ai suffisamment de sauts. Je pense. Là, il m'en faudrait encore un, ensuite je peux accéder à ça. Faire attention aux haches par contre. Ok, ben, je vais bouger tous les autres trucs. On commence par celle-là. Hop, est-ce qu'ici c'est bon? Ça m'a l'air pas mal. Maintenant on prend celle-là. On va la mettre à un endroit stratégique. Ouais, ici ça me semble pas trop mal. Ok. Ah merde, je l'ai repoussé. On va la remettre. Voilà, ici. J'y crois moyen, mais on va tester. C'est parti. Hop, on saute là. On saute là. Non! Non, 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 me dis pas que j'ai foiré ça. Me dis pas que j'ai foiré ça. Me dis pas que j'ai foiré ça. Allez! Oh non, je suis sûr que ça passe. Je suis sûr que ça passe. Ça peut passer. Putain, pourquoi? Pourquoi? Oh! Yes! Yes! Par contre, j'ai gâché un saut. C'est pas grave, ça devrait le faire. Ok. Faut pas se foirer! Attention à la hache. Attention à la hache. Vraiment, là, faut pas se faire tuer bêtement. Ok. On se met là. On saute. Oh! Ici. Oh là là. Oh là là. Donc là, on a la porte. On pourrait finir. On pourrait. Ah merde, ça va être chaud pour les sauts. Merde, ça va être chaud pour les sauts. J'essaie de les économiser un max. Là, si je réussis pas du premier coup, c'est mort. Y a pas un cube. Oh, si, y a un cube. Oh, yes. Ça va me faciliter la tâche. Oh, non. Et non, je suis obligé de sauter par-dessus si je veux le pousser. Là, si je le foire. Allez, on tente. Ah! J'ai honte. Retry. Alors, par contre, ça saoule parce que c'est méga long. Du coup, c'est parti, on va se faire une petite séquence en accéléré. Let's go. Ok, on est prêt, c'est un peu différent, mais c'est globalement la même chose. On saute là, on saute là, on saute là, voilà, hop, attention à la hache, vu qu'on saute super haut. Ok, ok, la hache revient, là maintenant, allez, ouh. Ok, c'est bon, là on a la porte, ok, encore 8 sauts, ça devrait le faire. Donc cette fois-ci, on va pouvoir utiliser ce super petit bloc, voilà, on le pousse, attention, il va tomber, voilà, et là c'est facile. Pour la sauver, tu seras exécuté à sa place. Est-ce que tu veux vraiment sauver la victime? Oui, donc on va se préparer à secouer la souris, allez, 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 hop. Et voilà, on a quasiment perdu aucun point de vie, ça valait le coup. Super. Et là, ce piège ne marche plus jusqu'à la fin du cooldown. C'est vraiment pas mal fait. Il nous reste 6 sauts pour arriver à la fin. Je pense que c'est large. Là, va falloir faire un petit truc comme ça. On saute ici. Et voilà, il nous reste 5 sauts. Et voilà. Boum. Succès. On a sauvé merci. On a sauvé pitié. Alors, back to the cell. Alors, costume. Yes, ça y est. On a plus de 3000 gold. C'est vraiment cool. On va enfin pouvoir s'acheter le fameux costume de Bunny Girl. Allez, on débloque. Et on l'équipe. Oh là là, mon gars. Louboutin. Sexy Cinderella. Ça va nous changer pour les épisodes d'après. Là, mais qui va nous résister? Qui va nous résister à absolument personne. Tu ne peux pas. Alors, quel est notre prochain objectif d'achat? Je pense qu'à terme, le but, ça va être de tout débloquer. On essaiera d'avoir tous les costumes, tous les trucs. Mais le prochain que j'ai envie d'acheter, c'est le blindfold. Peut-être dans le prochain épisode. Je ne sais pas. Mais enfin, bref, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un like. Dans tous les cas, on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Allez, ciao. Ah, là, ça fait un point pour moi, là. Ça a complètement cogné le saut. Elle est dedans. Elle est dedans. On est la poulette. Putain, elle est dedans, mais ça ne l'allume pas. D'accord. Limite, on dirait de la gelée, le truc. On a quand même grave la classe.